Ils sont 16 jeunes âgés de 18 à 26 ans, inscrits à la section sommellerie du lycée hôtelier de Talence. Je décèle d'abord des arômes de fruits à chair blanche. Ce matin, c'est pour eux un exercice d'analyse sensorielle pour lequel ils doivent trouver les caractéristiques de ce grand vin blanc et l'associer à trois mets. On irait sur de la langoustine, on irait sur des Saint-Jacques poêlés avec un petit peu de truffe blanche d'Alba, où on pourrait aller sur des beaux poissons, des bardelines, des mets très travaillés. Tous ont la vocation pour suivre cette formation d'un an avec 4 stages, après avoir décroché bac, BTS, en service ou hôtellerie. La passion, tout d'abord. Moi, je suis issue d'une famille épicurienne. On aime bien manger, bien boire. On a l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, travailler des beaux produits. Donc c'est et l'amour du métier et l'amour du service. Première qualité de sommelier, c'est être humble avant tout, hein, parce que les connaissances changent et les appellations changent également chaque année. Voilà. Pour moi, c'est avant tout ça. Et le plaisir, la relation client, bien évidemment. Leur avenir, c'est d'abord l'intégration dans une équipe d'un grand restaurant. Mais d'autres débouchés sont aussi possibles. Aujourd'hui, il y a toute une variété de nouveaux métiers. Ils peuvent travailler chez des cavistes, ils peuvent travailler chez des bars à vin. Le vin se sert aujourd'hui d'une manière très différente par rapport à ce qu'on a connu avant. À la fin de leur cursus, 100% d'entre eux trouveront un job. Certains ont déjà été approchés durant leur formation.